Maintenant, je vous explique comment réinstaller votre batterie après votre saison hivernale. Une bonne chose, on reçoit souvent des appels au début de saison. Les gens ne se rappellent plus comment, où les fils allaient ou comment la brancher. Ça serait une bonne chose de soit prendre une photo avant de l'enlever ou identifier vos fils avec un ruban ou quoi que ce soit pour se rappeler l'année d'après. Chose simple, c'est que celui avec la fusible, toujours sur le positif. Lui, c'est toujours positif et son fil, il est vert, naturellement, où est-ce que la fusible, mais c'est la partie noire. Un fil noir va sur le positif. Le blanc, sur le négatif, toujours. Donc, c'est assez simple. On met notre batterie en place, on visse nos pôles à batterie. Ça peut faire une petite étincelle, c'est normal. Si c'est trop une grosse étincelle, posez-vous des questions parce que c'est une batterie, on parle de batterie standard ou AGM. On ne parle pas de lithium, c'est une autre histoire. Donc, on vient resserrer nos pôles à batterie. Assurez-vous de les serrer assez adéquatement pour être sûr de ne pas manquer d'énergie ou avec la vibration sur la route qui lousse et que vous ayez des mauvaises surprises. Une fois que les deux pôles à batterie sont bien serrés, rangez vos fils de manière à ce qu'ils n'accrochent pas nulle part et venez remettre votre couvert pour protéger la batterie et les odeurs d'acide. C'est ventilé, c'est une boîte à batterie ventilée. Et mettez vos vis pour sceller comme il faut la boîte à batterie.